Bonsoir à tous, c'est David. 24 heures après notre troisième match face à l'Australie à Saint-Etienne. Une fois de plus, les joueurs ont été incroyables, de bravoure, de courage, d'abnégation. On a manqué d'expérience, d'efficacité proche des lignes, mais un match encore fabuleux à vivre au bord du terrain avec eux. On a des regrets parce que le 34-14 est très très lourd. Très très lourd, une fois de plus, un petit peu à l'image du match contre les Pays de Galles. Et bon, j'espère que la suite sera rose pour cette équipe du Portugal et pour tous ses joueurs. Et j'espère que les gens se souviendront qu'une nation mineure a tenu tête aux grandes nations du rugby. Voilà. Marquer l'histoire est important aussi pour nous tous. C'est notre dernière semaine ensemble et c'est vrai qu'on commence déjà à avoir la boule au ventre et on se dit que bientôt cette aventure est terminée. Dimanche, on sera à Toulouse contre les Fidjiens et j'espère de tout cœur que ces garçons, et quand je parle des garçons, c'est les joueurs et le staff, sortiront la tête haute et par la grande porte parce qu'ils le méritent. Il faut que ce soit une grande fête du rugby et on vous avait promis beaucoup de jeux contre l'Australie et on a tenu parole. Il y en aura tout autant contre les Fidji, voire plus. Bon, ben, je vous remercie. À très bientôt et merci de nous avoir suivis.